Les gars, je vous ai promis sur mes réseaux sociaux que je vous apporte un gros projet pour la rentrée. Donc voilà, il s'agit de Bare Knuckle. De quoi il s'agit? C'est un sport de combat à main nue avec règles de la boxe. Ça existe partout ailleurs. Ça vient d'ailleurs d'Angleterre, de nos voisins, mais malheureusement pas en France. Du coup, je pense être le premier à le faire en France. C'est un sport assez violent, mais ça se déroule dans les cadres sportifs et dans le respect, entouré par des professionnels et une équipe médicale, bien sûr. Ça dépend que de vous si je vais en refaire d'autres ou pas. J'ai besoin de votre avis dans les commentaires. Si c'est trop violent pour vous, ça va être le premier et dernier combat. Si vous voulez d'autres, faites-moi le savoir dans les commentaires. Et si jamais je décide d'en refaire d'autres, j'ai besoin de votre soutien, beaucoup de pouces bleus. Et bien sûr, je veux que vous abonniez au maximum. Ça me ferait plaisir si on dépasse les 5 millions d'abonnés. Activez la cloche aussi, bien sûr. Suivez-moi sur mon Instagram, car je fais beaucoup de concours. Bientôt, je vais faire gagner 3 iPhones et 3000 euros, comme je le fais assez souvent sur mon Instagram. D'ailleurs, un grand merci à SM. Ils nous ont fourni l'endroit pour réaliser ce combat. SM, c'est une entreprise de déménagement, stockage et de transport pour les particuliers ainsi que pour les professionnels. Et pas que. Tous les infos sont dans la description. N'hésitez pas à checker ça et voyez merci. Avant toute chose, je fais cela pour moi, c'est un défi personnel. Et ensuite, c'est pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Je suis fier d'être le premier à le faire en France. J'ai déjà fait des combats sur ma chaîne, comme vous avez pu remarquer. Le premier combat, c'était avec Ismaël. Et il est revenu deux fois sur ma chaîne. Il a fait des combats, il a une mentalité. Je savais qu'il n'allait pas me planter aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent. Mais l'attente et l'adrénaline les fait cramer, au final, ils refusent. Et il faut beaucoup de courage pour s'entraîner et de ne pas se cramer avec l'attente. Et je savais qu'Ismaël est quelqu'un de courageux et aujourd'hui m'a confirmé parce que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est point nu et l'étape d'après, c'est l'arme blanche. Sauf que nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est bien encadré, c'est de bonne ambiance sportive, bien sûr. Et comme vous le savez, j'ai fait le premier combat avec Ismaël, par la suite avec H Coaching et bien sûr Ayoub. Mais à chaque fois, vous me voyez ramener au sol. C'est normal, c'est ma spécialité. Et puis après avoir fait combat avec Ismaël, je me suis mis à la boxe. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer mes capacités, ma progression à la boxe. Ça va être mon premier combat de la boxe. Ismaël a un niveau aussi. Mais moi, aujourd'hui, c'est un défi personnel avant tout. Car c'est pas juste un boxe avec les gants, c'est point nu, c'est plus dangereux. Mais je voulais dépasser moi-même, car tout le monde n'est pas capable de faire ça. Franchement, bravo à Ismaël qui a eu le courage d'accepter et de ne pas se cramer et de venir jusqu'à aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Ismaël Fomen, j'ai 21 ans. J'avais fait un combat avec Ibra TV il y a 2 ans à peu près. C'était un combat de lutte MMA. Malheureusement, j'avais perdu. Donc là, aujourd'hui, je reviens pour une revanche, entre guillemets. Alors du coup, dans ce nouveau concept, c'est un concept à combat main nue. Donc ça va être un peu plus percutant qu'avec des gants. C'est un risque à prendre. Donc on est tous les deux conscients du danger. On sait ce qu'on risque et justement, on est prêt à faire cela déjà pour pouvoir vous apporter un bon combat et prouver que peu de personnes sont capables de faire cela. Il faut un jour passer un cap. C'est maintenant qu'on passe ce cap. Alors comme vous avez pu le voir, lors du premier combat, j'avais perdu notamment parce que Ibra est un lutteur, donc j'avais perdu au sol. Il avait plus d'expérience en termes de lutte, il avait plus d'impact niveau physique. Après là, je vais vraiment compter sur entre guillemets mes points forts, donc mes bras au niveau de la boxe. C'est d'apporter justement plus d'impact
et être beaucoup plus percutant que la première fois, en espérant, et c'est même pas en espérant à vrai dire, c'est que je vais le défoncer. Mesdames et messieurs, c'est parti, bon visionnage. Ok les gars, donc règle un peu particulière, différente de celle habituelle. Aujourd'hui on est en bark knuckle, donc combat en 3 fois 2 minutes. Règle de bark knuckle, donc boxe anglaise, on a droit aux frappes. Petite particularité, on a droit au clinch, c'est-à-dire on peut agripper l'adversaire et continuer de frapper. Je continuerai tant que l'action continuera. Une fois que le clinch se stabilise, que les deux sont, il n'y a plus d'action, je sépare. Ok? Pas de coup derrière la tête, pas de coup aux parties, pour le reste, pas de pique aux yeux, pour le reste, on est bon. Ok? Protège dents. Checkez-vous. Chacun a son point. J'ai un point. Vous voyez pas. C'est bon, c'est bon. Tac les gars. Check, on est parti. Doucement.
Tu vois? Tu vois? Regarde, maintenant on descend le rythme cardiaque. Doucement. Et on descend, doucement. On descend. On descend. Voilà. C'est très bien ce que tu fais. Sauf que tu fais deux erreurs. La première, c'est que quand tu vois que tu touches, tu restes devant lui. Ne fais pas ça. Tu risques de prendre un crochet à l'aveugle. Et celui-là, si tu le prends, tu dors direct. Ok? Donc, tu touches à la gauche, je sors. Même si je sais qu'il ne va pas répliquer, je sors. Pour garder l'automatisme. Deuxième des choses, quand tu vois qu'il est en boule, frappe au corps. Il descend tout de suite, ok? En place. On tient, on est parti. Allez, go. On repart. Je sors. Ibrahim, ne reste pas devant, s'il te plaît. Là, super. Attends, super. Remonte la garde. Top, poussez pas. Très bien. Bravo. On repart, les gars. Gauche, comme ça. Non, joue pas. Pas trop bas. Gauche. Allez, voilà. Franchement, excuse-moi, je t'avais sous-estimé. Dans quel sens? Je pensais que t'aurais pas de courage. Mais t'as courage. Un morceau de mec qui est en couille de venir ici. Franchement, c'est rare des mecs comme ça qui ont du courage déjà à faire MMA. Là, il est venu à point nu. C'est un grand respect à toi. Voilà, ça fait. Bravo. Pour dire que. Il y a beaucoup de gens qui parlent et tout. Il y en a, j'accepte. Mais c'est attendre qui les brûle parce qu'il n'y a pas assez de courage. Et des mecs comme lui qui ont du courage, et moi je respecte personnellement. Voilà, c'est rien de plus, les gars, c'est sport. Au pire des cas, il va arriver quoi? Un grand respect en tout cas à Ismaël. Je l'ai juste aimé un peu dans son courage, il est venu, franchement. Donc, je me suis bien senti. Tu vois, j'ai réussi à un peu contrôler, on va dire. Mes émotions, la technique s'améliore pas. Ouais. Pas la première fois. Je pensais pas que j'allais progresser autant. Là, ça m'a fait une bonne surprise à moi aussi. Et franchement, il a pris des coups. Surtout le jab. Et franchement, il a pris des coups. Je pensais qu'il allait abandonner, mais il a tenu. Et franchement, rien à dire, un gros respect. Donc voilà, n'hésitez pas à le soutenir. N'hésitez pas à le soutenir sur son Instagram. Ouais. Tu t'affiches. T'as quelques mots à passer, tu le dis tout ce que tu veux faire. Du coup, mon Instagram, c'est Ismaël Dose Fitness. Ça s'affiche sur l'écran. Du coup, je poste un peu de tout, lifestyle et musculation.
Donc venez en masse et... Voilà. Non mais j'ai un peu non, le seum. Non, la tenue, je pensais pas. J'ai un peu le seum, mais c'est la vie. Mais c'est la vie, frère. Ouais, moi, j'aurais pas dû, j'aurais le seum aussi. Je dis, moi, c'est le sport. Ouais, c'est fair play. Bien sûr. C'est ça que j'aime, c'est toi. Tu es venu deux fois, t'as perdu, t'as ramené au sol, tu vois ce que je veux dire. Mais t'es revenu en fait, c'est ça que j'aime bien chez toi. Je t'avais suscité, mais je pense, non, il aura pas le courage de venir faire ça. J'ai dit, vas-y, il a dit, vas-y, je viens. Je dis, putain, ce mec, c'est un génie. Rien à dire. Parce que la plupart des mecs. C'est ma bête noire, je vais la battre un jour. Non, frère, je vais plus, laisse-moi parce que là, je vois que je tape et il tombe pas, vas-y, qu'est-ce qui se passe. Ah, je vais m'entraîner. Donc voilà, tu reviens quand tu veux. Ah, bien, je... Merci à toute l'équipe qui sont venus pour m'aider de mettre ça en place, que ce soit mon coach, que ce soit Mathieu qui est ici présent, qui est avec nous depuis le début, qui fait les arbitres et tout ça. Donc voilà, merci à toute mon équipe, mon frère, que ce soit mon cousin et les autres. Hop. Vainqueur par KO. Logan Paul, I hope you don't care after my fighting, because I want your invitation. Me in wrestling, box, maybe it is fighting, you know? Thank you.